Et bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, le vendredi 18 février 2022, pour un nouvel envoi, donc qui me vient de Claudine, du 51 à Mécrange dans le 51. Merci beaucoup Claudine de ton envoi que j'ai bien reçu. Donc voici l'enveloppe, voilà. Donc je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir et ensuite je vais vous basculer. Alors c'est une grosse enveloppe. Je vais vous basculer sur le bureau. Je vais juste ouvrir avec les petits ciseaux. Alors, pas que je montre l'adresse. Alors, j'essaye de bien mettre les ciseaux à l'intérieur. Je fais une petite entaille pour mettre ma pointe. Alors... voilà, moi j'essaie de remettre tout à sa place. Oh là là, j'ai l'air d'avoir des choses sympas aussi là-dedans. Merci beaucoup Claudine de ton envoi, ça me fait très plaisir. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir à la maison, de recevoir vos petits paquets, vos enveloppes, tout ça. Je suis vraiment très contente. Il y en a qui disent que ça va me manquer, oui. Ça va sans doute me manquer. Mais bon, voilà, il y a le concours. Après, ben, vous pouvez toujours continuer. Hein. Voilà, moi, c'est avec plaisir. Et avec même en échange, hein, il n'y a aucun souci. Enfin, même avec grand, grand, grand plaisir. Voilà, j'ai essayé de bien mettre tout ça correctement. Donc ici, ça, c'est la Memory Dex. Elle m'a bien écrit tout ça. Elle m'a tout bien enfermé. Ça, c'est donc... oh, c'est tout doux. C'est très sympa. Alors, ça a l'air d'être collé. Ouais. Ça a l'air d'être collé. On va décoller tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est des petits plus. D'accord. Merci beaucoup. Ici, ça, c'est donc la carte. Voilà. Et ensuite, après, la création. Et ensuite, les petits plus. Merci beaucoup pour tout ça. Eh bien, on va commencer par la carte. Hein. Voilà. Très sympa, donc c'est des serviettes qu'elle a mis pour faire les petits cadeaux. En plus, ça fait pas de bruit, c'est super ça pour la caméra, pour les oreilles des copains et des copines. Donc ça, c'est des serviettes donc pour emballer les objets. Je vais essayer de pas tout casser. Alors, voilà. Donc, la carte est fermée avec un joli timbre. Regardez. Un joli timbre. Avec une petite fille, je crois, dessus. Merci. Oh. Oh, que c'est joli. J'adore. Ma première carte avec la poupette de Santoro. J'adore. Très très jolie carte Claudine, c'est toi qui l'as fait, qui l'as colorisée, c'est très beau, merci beaucoup pour cette jolie carte. Donc elle est venue mettre des... elle a colorisé la carte je pense au crayon de couleur, très très jolie, très mignon. Très printanier, j'aime beaucoup. Oh, et puis tu as des petits tampons et tout, trop sympa derrière. Regardez, très sympa. Apparemment, la carte, c'est un fond de carte. C'est toi qui es venu, je pense, faire les fonds, je ne sais pas. Est-ce que c'est toi, Claudine, qui a fait les fonds? Voilà, les petites filles, c'est trop mignon, très joli.
Alors, je lis la carte aujourd'hui. Merci pour les félicitations, pour les 500 abonnés et plus, oui. Elle a toujours aimé les loisirs créatifs, mais depuis quelques années, grâce à Action, j'ai essayé le scrap et bien sûr, j'adore. Eh ben oui, je te rejoins beaucoup. Elle est bientôt en train d'une pièce. Elle a une pièce pleine de choses. Ben, bienvenue au club, prête à créer. Ah, oh, c'est super. Plein de zoubis scrap, Claudine. Merci beaucoup pour ton gentil petit mot. Il y en a encore derrière. Oui, j'aime beaucoup la marque Santoro. De Théonos. Elle a fait des choses. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Photocopier les images correspondantes. Bonne créa. Merci beaucoup. C'est trop mignon. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Claudine. C'est très sympa de ta part. Merci, merci. Donc, je vais remettre la carte là. C'est vrai que c'est... J'aime beaucoup cette... Au début, j'avais un peu de mal parce qu'elle n'avait pas de bouche hein, et de nez. Et finalement, ben, j'adore. Quoi. J'aime beaucoup. Hein, on reste des petites filles malgré notre grand âge. Hein. Il y en a qui vont rigoler hein, quand je parle du grand âge et tout. Ils sont sympas les serviettes aussi. Et c'est comme des impressions, regardez, hein. Voilà ce que ça donne. Et moi j'aime bien aussi le serviettage, c'est quelque chose que je fais, que je pratique depuis longtemps. Et c'est très sympathique. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Je vais découvrir ta Memory Dex. T'as bien fait ça, dis donc. Je suis sûre que tu as aussi des mains en or. Comme beaucoup d'entre vous. Alors, très jolie Memory Dex à l'effigie donc de la petite fille de Santoro. J'adore. Merci beaucoup. Donc, le pseudo de Claudine, c'est Bricodine. J'adore. Dans le 51, c'est bien ça. Elle a donc sa page Facebook, c'est Bricodine, @ Bricodine. Bricodine, @ Bricodine, Claudine, Brico. D'accord. Et elle aime beaucoup le vintage et le shabby. Voilà, ses préférences sont pour le vintage et le shabby. Donc, ben, tu vas prendre place dans ma Rolodex, Claudine, derrière la jolie Memory Dex de Justine que j'ai fait précédemment. Donc, c'est vrai que selon... Voilà. Voilà, tu as donc pris place dans ma jolie Rolodex. Alors, il faudrait peut-être que j'y mette quelques petits stickers. Là, ce serait pas mal, je pense. Vous avez vu comme elle a grossi ma Rolodex depuis le début. Franchement, merci beaucoup à tous. Hein. Encore merci, vraiment. Du coup, ma Rolodex, maintenant, elle est sur mon bureau. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que j'ai fait de la place sur le bureau pour pouvoir accueillir tout ça. Donc, elle m'a fait une créa. Merci Claudine pour ton envoi, c'est très sympa, très gentil. Donc, je défais tranquillement. Oh, que c'est joli, toujours à l'effigie de la petite poupette, j'adore, j'adore. Donc, elle m'a fait ceci, regardez, très joli album, je pense. Donc, avec la petite poupette de Santoro, avec... Oh, c'est génial. C'est trop gentil, c'est trop joli. Alors là, je me demande si je ne vais pas craquer sur les petits tampons de Santoro. Vraiment, ça me fait trop envie. C'est
C'est vrai que je crée pas beaucoup de choses de petite fille, mais franchement, ça me fait trop trop envie. Bah écoutez, hein, voilà. C'est vrai que j'ai déjà plein de choses, mais je n'ai pas ce genre de collection. Et bah pourquoi pas se lancer dedans, tout ça, ça peut être vraiment très très sympa. Ça a l'air très sympa ton album. Ah ouais. Franchement, ouais. Trop joli l'album. Ah ouais, avec des pochettes comme ça, mais c'est mignon comme tout. C'est un porte-carte ou porte-photo de ce que vous voulez. On pourrait dire un petit portfolio. Donc voilà l'intérieur. Merci beaucoup Claudine. Eh ben, tu vas pouvoir créer, hein. Tu peux te lancer, il n'y a aucun souci. Et voilà, tu es comme moi, tu as amassé beaucoup de choses durant des années pour pouvoir te lancer enfin dans cette aventure du scrap. Je vous remontre le... C'est très joli. Merci beaucoup pour ce petit album. C'est un petit porte. C'est un petit porte, ouais, un petit porte-photo, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Moi, je vais y placer mes images de la petite fille dedans. Ouais, franchement, trop joli. Je sais pas quelle couleur c'est, par contre. Je vais regarder ça. Ouais, je pensais que c'était dans les marrons beige, c'est ça. Ouais. C'est très joli parce que du coup, on a moins l'habitude de ces couleurs, mais moi, personnellement, j'aime bien aussi. Donc je vais remettre comme il faut le petit lien. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir tout ça. Ça me fait plaisir. Voilà. Alors, on va continuer. On va mettre un petit peu d'ordre là-dessus, hein, parce que ça commence à être un peu envahi. Hein. Donc ça, on va mettre sur le côté. Voilà. Il nous reste encore deux choses. Ne partez pas, c'est pas fini. Oh là là. Ça a l'air sympatoche tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par celui-là ou celui-là? Allez, on va faire celui-là. Alors. Déjà ici, nous avons un petit pochon avec. Alors, ça s'enlève comme ça. Merci beaucoup pour les petits plus. C'est toujours bon les petits plus. Alors, ça fait un peu plus de bruit, mais c'est pas grave. C'est les petits tamponnages de la... Ouais, c'est des choses de la petite fille. Merci. C'est plein de petits embellissements. Non, c'est pas la petite fille, ce sont des choses de Pâques. Oh, c'est sympa tout ça, toutes ces petites choses-là. Bon, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, par exemple. Voilà, des petits tamponnages. Là, on a le petit poussin. Par là. Voilà. Là, ici. Très mignon, ces petits tampons. Regardez. Oh, c'est trop beau. Trop mignon. J'aime bien ces petites filles-là. Alors. C'est encore un petit oiseau, la petite fille. Danse. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les timbres comme ça, avec des enveloppes comme ça, j'aime bien. D'ailleurs, trouver un tampon à nose avec ça, c'est très sympa. Donc là, c'est la petite fille. Ils sont petits les tampons, mais ils sont bien, ils sont jolis. Là, on a encore la petite lettre. Vous voyez, ça c'est la même chose. Voilà, ça c'est la même chose que ce que je vous ai montré avant. Je
Voilà, c'est très très sympathique tout ça. Merci beaucoup. On va le remettre dans la petite poche pour pas perdre. Et ça, c'est bien parce que ça va pouvoir faire de la colorisation. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire. Voilà. Après, ça, je le range dans des boîtes pour pouvoir m'en servir. Va falloir que je fasse. Va falloir que je mette ça dans ma boîte Santoro, tiens. Regardez. Ma boîte, vous vous souvenez, j'avais acheté ça à Noz. C'était pas loin de moi en plus. Regarde, Claudine, je vais mettre les petits présents dans cette boîte qui sera dédiée à la mademoiselle Santoro. Voilà. Donc, je vais mettre ces embellissements ici. Déjà, voilà, tu as pris place dans ma boîte. Donc, pour l'instant, je la mets de côté parce que peut-être qu'il y aura encore autre chose. Alors, c'est pas fini, hein, ne partez pas, ne partez pas, hein. Alors, j'essaie de me dépêcher pour ouvrir, mais je prends quand même mon temps. C'est trop mignon tout ça. Merci Claudine d'avoir pris ce temps pour moi, pour me faire plaisir. Oh là là, oh là là. Regardez-moi tout ça. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop gentil. Oh, j'adore. Oh ouais. Oh, ça fait du bien. Oh, tu m'as gâtée, Claudine. Merci, merci, merci. Regardez-moi ces jolies images. Regardez ça. On peut faire des belles cartes avec ça. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. Vous avez vu? Oh, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais je suis tombée en amour avec cette petite fille. C'est vraiment très sympa. Oh, regardez. C'est vraiment chouette, hein? Je sais pas où c'est que tu trouves ces copies. Sur Internet, sûrement. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire de si belles. Vous avez vu, c'est vraiment sympa dans toutes les postures, toutes les. Oh, merci beaucoup. Toute prête à l'emploi en plus. Les gorgeous. Je cherchais le nom depuis tout à l'heure sans oser vous l'avouer. C'est les gorgeous. Voilà. Là, c'est avec le nounours. Je vous ai montré. Ça, c'est avec le pingouin. Vais pas vous remontrer toujours les mêmes. Oh, comme une carte à jouer, le trèfle. Qui veut le trèfle? C'est sympa, hein? En plus, dans plein de déclinaisons. Ah ouais, regardez-moi ces belles images. Elles sont très jolies en plus, très jolies photocopies. Ah ouais. Alors ça, je crois que je vais aller faire un tour pour découvrir ces gorgeous. Je n'ai pas encore fait ça, j'ai eu cette curiosité. Je voulais le faire, mais. Je me dis, je les reporte un peu plus tard. Ah non, elles sont vraiment très sympathiques. Merci beaucoup, Claudine. Ça me plaît beaucoup, toutes ces petites cartes. C'est très joli. En plus, tu m'en as fait vraiment plein. Oh, puis avec, c'est vraiment trop beau. Ah ouais, dans toutes les. Là, elle est sous son parapluie. Trop mignonne. Là, elles sont un peu plus petites. Très sympa aussi. À prendre place dans ma jolie boîte. Merci beaucoup, hein, encore. Ça, je vais mettre ici. La par-dessus. Encore celle-ci. Et celle-ci. Et puis des petits timbres comme ça. Oh. En pirate. La gorgeous pirate. C'est pas Tipiak, hein, c'est la gorgeous. Ce petit ton d'humour, voilà. C'est mignon. Ah, merci beaucoup, Claudine. Ça me plaît bien. Ouais, franchement, regarde-moi ça. Tout ça prend place dans ma jolie boîte. C'est presque fait pour. Ah ben.
voyez, hein, on peut toujours trouver de quoi faire. Donc celle-ci, elle rentre bien. Celles-ci sont un petit peu juste, elles dépassent un peu, mais c'est quand même bien rangé. Vous avez vu? Voilà, ça prend place dans cette jolie boîte. Donc voilà pour cette serviette-là. Je la mets de côté. Et attendez, il y en a encore. Il y en a encore un peu. Alors, encore des petits plus. Merci vraiment pour tout ça. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment très sympathique de votre part. C'est vraiment très très gentil. Ça me fait vraiment plaisir et ça met un petit peu de baume au cœur dans ma journée. Aujourd'hui qui est un peu particulière pour moi. Je ne peux pas pour l'instant en dire plus, mais voilà. Oh là là, oh là là, ça va être beau tout ça. Je suis sûre que c'est beau. Ah ouais. Donc ça, c'est des tamponnages en fait. Oh, c'est trop joli. Regardez ça. Donc elle m'a mis tout en plus. Donc c'est cette gorgeuse là. Et donc après, elle a les tampons comme ça. C'est trop beau. Et tout ça, c'est la même chose en fait. Donc j'en ai plusieurs et tout. C'est trop mignon. Ça, c'est avec... C'est la même, sauf qu'elle est un petit peu plus grande. Oh, merci pour tout ça, hein. Vraiment, c'est trop mignon. Je pense que c'est fait avec une photocopieuse laser, j'imagine. Donc, on a la même chose avec cette gorgeous-là. Je vais vous montrer l'image plus grande avec son tamponnage. C'est très joli, hein. Les tampons, ils sont très sympas, vraiment. Ben ça, je vais voir, hein, vraiment. Très mignon, toutes ces petites gorgeuses. Je ne pensais pas en avoir autant d'un coup. Mais c'est très mignon, très sympa. Donc, celle-ci, c'est celle-là. Donc, un tamponnage. Hein. Attends, je vais vous la défaire. Voilà, comme ça. Après, ben voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, je trouve que c'est mignon. Ça me plaît bien en tout cas. Ça, on fait toujours des choses avec ça. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Donc, je ne sais pas si elles ont des noms, ces gorgeous. Est-ce qu'elles ont des noms spéciaux? Il est marqué Santoro en bas, mais c'est pas... Voilà. Ils sont jolis les tampons, ils sont quand même de belle taille moi je trouve. Hein. Apparemment on peut faire des mini tampons et des plus grands tampons. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait les tampons chez Noz. Je ne sais pas si c'est là que tu les as trouvés. Mais moi j'étais pas dans la bataille. Donc là c'est celui-là. Donc je vous montre à chaque fois. Hein. J'espère que ça ne vous ennuie pas. C'est vraiment sympa. Hein. Je vois, je les remets dans la boîte. Hein. Donc j'ai une jolie boîte. Ah, franchement, les tampons sont très beaux. Hein. En plus, on peut les coloriser et tout. Hein, j'aime bien. On peut faire très sympathique. Faire des cartes. Donc, on a cette demoiselle-là. Voilà. C'est la dernière série. Et après, je vous embête plus. Eh bien, merci beaucoup Claudine pour tous ces petits présents qui me font extrêmement plaisir. Et j'ai vraiment... vous avez vu ma boîte comme elle est toute remplie de gorgeous. Je ne pensais pas en avoir autant. Franchement, tu m'as gâtée. Merci beaucoup. Ah, j'étais gâtée aujourd'hui entre Justine et Claudine.
Merci bien les filles. Merci pour tout ça. C'est vraiment très gentil. Et je te remercie encore, Claudine, de tout, de tout ton envoi qui me fait très plaisir, franchement. Et voilà. Donc, tu es la participante numéro 32. Bien sûr, je te souhaite bonne chance ainsi qu'à tout le monde. Et donc, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo, à découvrir toutes ces belles gorgeous. Là, j'étais vraiment gâtée dans la gorgeous. Et donc, du coup, j'étais très contente de vous la tourner. Je remercie encore beaucoup Claudine. Merci à tous et toutes de vos participations. Ça me fait extrêmement plaisir et du bien. Et voilà, je profite en même temps de la fin de cette vidéo pour vous dire qu'il n'est pas encore trop tard de participer au concours des 500 abonnés. Maintenant, je suis un petit peu plus haut, hein, j'en suis à 789, je crois. Et donc, bientôt, il va falloir préparer le concours des 1000 abonnés. Qu'est-ce que vous en dites ? Et puis je pense aussi qu'il y a le live, il y a un live que je dois faire, il y a beaucoup de choses en perspective. Hein. Voilà, donc pour ceux qui veulent participer au concours, il faut m'envoyer une Memoridex. Donc n'hésitez pas à faire une Memoridex sans trous, j'ai les trous. Me laisser 1 cm en haut pour que je puisse bien faire les trous avec la perforatrice. Et donc après, vous me faites une créa, une carte, vous faites ce que vous voulez, le thème que vous choisissez. Pour l'instant, il n'y a aucun thème imposé pour ce concours, en tout cas. Et donc, on verra pour la suite. Hein, on verra, parce que après, c'est bien aussi de mettre des thèmes, je pense, de temps en temps. Et puis, voilà, de mettre des défis aussi aux gens, comme ça, de se dépasser un petit peu, de se mettre en dehors de notre zone de confort, tout ça. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à participer au concours, vous m'envoyez un email que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Et donc, je vous envoie mon adresse, vous envoyez votre créa avant le 5 mars 2022. Voilà, date de fin du concours pour les envois. Donc, ça veut dire que dans la semaine qui suit le 5 mars, à partir du 8, à partir du 8 mars. Donc, à partir du 8 mars, on pourra procéder au tirage au sort. Voilà, donc pour le résultat de ce concours. Donc, du coup, je vais vous laisser. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne après-midi de vendredi. J'allais vous présenter aussi une carte que j'ai fait, que j'ai commencé à faire en tuto ce matin. Mais je me suis demandé, est-ce que ça va vous intéresser ou pas? Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Donc, ça, c'est une carte ratée, je pourrais dire ratée. Donc, je suis partie sur un format pratiquement A4. Ici, je vais faire une pochette. Là, je vais faire les rabats. Donc là, mes rabats étaient un petit peu gros. Et ici, donc un rabat. Voilà. Donc, en décoration, là, j'ai fait une carte pour une copinette pour participer à un concours. Donc, je vais vous la montrer, hein, c'est pas grave. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci. À l'intérieur, ça donne ça. Donc vous voyez, une utilisation par exemple des stickers. On peut utiliser les stickers, tout ça, ce sont des die cuts en fait, hein, voilà, que je trouve dans des cahiers. Après, vous prenez les stickers et vous pouvez donc décorer un petit peu. Voilà. Donc par exemple ici, j'ai fait une mini carte postale. Voilà, par exemple. Hein, voilà, donc une mini carte postale. Voilà. Par exemple, après, on fait comme on veut, voilà. Et ici, donc, une sorte de, c'est pas une ATC parce qu'elle n'est pas dans les bonnes dimensions, mais voilà. Donc, du coup, voilà. Du coup, donc derrière, vous pouvez marquer un titre et tout ça. Et là, j'ai donc fait une Memoridex, et donc, comme ceci. Donc, pour la personne en question, avec mes coordonnées derrière. Et donc, du coup, voilà. Donc, je range la Memoridex là. Ici, ça peut être une Memoridex, comme ça peut être autre chose. Voilà. Donc, je voulais savoir si ce genre de carte vous plairait. Est-ce que vous voulez un tuto ou pas? Donc, je vais faire un autre exemple aussi de carte. Je vais vous montrer ça. Si je mets la main dessus. Je profite en même temps de la vidéo. Est-ce que ça vous intéresse le tuto ou pas? Donc, si ça vous intéresse, eh ben, je vous le proposerai. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, ben, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si ça m'intéresse de savoir si vous en avez envie ou pas. Donc, je ne trouve pas mon autre modèle. À l'occasion, je vous le montrerai. S'il est là. Non, ce n'est pas celui-là. J'ai du bazar sur mon bureau. Il faut que je range encore. On passe son temps à ranger. Hein. Mais voilà.
Je l'avais là tout à l'heure. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mal de bazar là. Où est-ce qu'elle est, ma mémo, ma carte? Je l'avais mise là tout à l'heure. J'avais tout mis pour lui. Alors. Non, ça c'est les photos. Ah, quand on voit pas bien, c'est pas toujours évident. Mais c'est pas grave, je la retrouverai, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Du coup, parce que je ne la trouve pas là. Donc il faut que je range un petit peu tout ça. Donc voilà. Mais c'est le principe comme ça. Et façon, voilà, comme je vous ai montré avec la décoration. Voilà. Donc j'espère que ben, ça vous plaira. Et puis j'aurai plaisir à tourner ce petit tuto, sachant que je ne suis pas une grande fan de cartes. Mais je me lance doucement dans ce genre de petit projet. Donc voilà. Du coup, voilà. Donc, ben, écoutez, voilà, j'ai fait un petit peu de blabla, comme d'habitude, hein, j'arrive pas à faire sans blabla. Voilà, ça, c'est moi aussi. J'aime bien blablater un petit peu. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien aussi le blabla. Donc, on en profite un peu. Et puis voilà. Donc, du coup, ben, merci beaucoup pour tous ces envois. Voilà, désolé, la vidéo dure un peu, mais cette fois, je vais couper. Et je vous retrouve très très bientôt pour la suite des aventures de mes vidéos. Je vous embrasse, je vous fais plein de zoubiscraps. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous et à bientôt. Au revoir, bye bye.